Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live d'après-midi sur City of Gangsters. J'avais très envie de continuer notre petite aventure, donc on se relance. Et ça se passait pas trop mal, hein, toujours. On a ici, alors j'ai réfléchi, je vais attendre avant de faire quoi que ce soit ici, que Moon ait terminé son coup, parce que des fois qu'elle réinitialise le bâtiment, bon déjà il y a pas mal de choses dedans, ça ferait chier, mais si on a en plus lancé une construction, ce serait encore plus ballot. Et du coup, bah, par contre, on a pu débloquer plein de personnes supplémentaires, donc on va aller recruter au moins une personne pour aller mettre ici, et une personne pour aller mettre dans le futur bâtiment. J'ai regardé, on a des gens organisés, intelligents, diligents, etc., donc c'est plutôt cool. On va pouvoir s'y intéresser. D'abord, il va falloir qu'on passe le tour, puisque tout le monde travaille dur, et c'est parti. On a vendu plein d'amaretto, du moonshine, parfait. On a réussi à ramasser un peu d'orge. Et des pots en grès. Ok, ici il y a une descente. C'est vrai qu'ici il faut faire gaffe parce que on corrompt pas la personne du coin. Hein. Donc attention aux conneries. Alors ici, des bijoux, non. Par contre, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu agrandisses le territoire. Et du coup j'ai oublié en passant de demander à celui-là de s'agrandir. Donc on va y aller. Hop là. Toc, 15. Ah ça fait chier mais bon, il faut ce qu'il faut. Voilà, donc là tous nos commerces travaillent à fond. Donc ici, vu qu'on l'a acheté, on va quand même poser tout ça. On va récupérer le moonshine. Un petit peu de fruits à coque, tant qu'à faire. Et on va refaire la même avec Matthew. On pose ça, on récupère les fruits à coque. Puis le reste, on va le laisser. Et on va aller déposer tout ça là-bas. On dépose les fruits à coque. Alors on commence à avoir beaucoup de fruits à coque là. Hein. On en consomme 20, on n'a plus que 60 bouteilles et 8 sucres. Donc je pense qu'il va falloir, il va être temps de réactiver l'émission de notre ami. Toc. Alors la vente d'amaretto, on peut la virer. Ça c'est bon, il n'y en a plus sur lui. On réactive, on réactive, on réactive, on réactive, on réactive, on réactive. Alors il faut 50 caisses. Hop. 50 caisses. Et est-ce qu'on en a besoin d'autant? On utilise 60 maintenant, ok. Et Requenton, bienvenue sur le live, un petit ranking. Allons-y pour un petit ranking. Quelques tournages dans la boîte, ouais. Du montage de faits, du tournage de faits. On est plein ici, hein. Pourquoi il y a du raisin ici? N'importe quoi. Alors là, on va aller déposer le moonshine. Ici, par contre. Hop, voilà. Et le raisin tira là. Hop là. Et re... Falseag, re à toi aussi. 95% plein. On va attendre qu'il fasse une petite production. En attendant, Ziki va remplir avec, avec ce qu'il peut remplir. À savoir des bouteilles et compagnie. Ici, on est quasiment prêt à faire le bâtiment. Mais comme je le disais, vous n'étiez peut-être pas encore arrivé. Je vais attendre. Parce que si jamais Moon, elle nous reprend ce bâtiment là et que ça le réinitialise, alors qu'on a dépensé 4000 balles plus toutes les ressources, ça va être un petit peu triste, on va pas se mentir. Du coup, on va aller chercher là-bas, on va avoir de la bière qui va sortir, on va pouvoir aller la vendre ici, et peut-être même réactiver une dernière fois la quête. Et le cygne, ce serait pas mal de récupérer quelques pieds de biche.
Ils sont où nos pieds de biche? Ils sont là. Bah t'es là, tiens d'ailleurs. Il nous en faut 5. 5 et 1000 balles. Pieds de biche. Toc. Par contre, t'as pas de sous. Il va falloir passer à la banque. C'est quoi 4000, tu croules sous l'argent? Bah oui, mais bon, ça peut toujours servir d'avoir plus d'argent. Il faut deux tours pour qu'elle termine son truc là, même plus, un seul maintenant. Donc on n'est pas non plus aux pièces quoi. Ça va, ça va. D'ailleurs, on va commencer à se diriger là-bas pour aller y déposer quelques bouteilles qu'on aurait genre en stock. Ici c'est plein à 79%, ça va. On va faire une petite session vidage de ressources. Très bien. Les 4K ils sont dans les poches de Falseg. Alors Falseg il a combien sur lui là? Pas tant que ça hein. Seulement 274, il commence sa tournée. Allez, on passe le tour. Alors, l'inspection des bâtiments de la ville vient de débarquer. Quoi? Oh putain. Ça en finit pas quoi. Ça en finit pas. Alors Squashy, Squashy elle a un petit niveau de plus. Un petit niveau de plus, je pense qu'un petit niveau de bagarre, c'est tout à fait pertinent pour Squashy. On a acheté des bouteilles, c'est cool. On a vendu du moonshine, encore du moonshine, c'est parfait. Et on a de la bière disponible. Hop, on la prend. Flo, en avant. Tu vas déposer ça là. Tac, 36 pots, les 2100 balles. Et on se relance. Voilà, donc on n'aura pas le temps de le finir avant la fin de l'année, mais on va quand même récupérer 1900. Donc c'est quand même rentable. Alors après, sachant qu'ici, on le vend aussi 50% de plus hein, que le prix normal, donc c'est quand même assez intéressant aussi là. Mais bon. C'est pas toi que je veux. C'est le signe noir, mais il est trop loin. Hop là. Ah mais en fait Falseg il vient juste de déposer l'argent, c'est pour ça qu'il est il est un peu pauvre. Le pauvre. Le pauvre, le pauvre. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes du coup? Les pieds de biche. L'argent. On peut gagner un véhicule à deux portes, c'est nul. Une berline à quatre portes, c'est nul. Un autre truc, aide à la négociation. Bon, on va prendre ça, je sais pas ce que ça fait. Lorsque vous cherchez un nouveau véhicule, faites-vous accompagner une connaissance portant une arme à peine dissimulée, les prix seront miraculeusement plus bas. D'accord, ça baisse le prix des véhicules qu'on voudrait acheter. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ils veulent vraiment qu'on fasse une fabrique de bière derrière boutique. Hein. On va peut-être y penser du coup. Alors Squashy, bah écoute Squashy, dépose quand même tes bouteilles. On va espérer que ça part pas en sucette. Pourquoi il y a du fruit? On fabrique du fruit ici? Ah oui, on fabrique du fruit ici. Du fruit et du papier. Bah, prends le papier, tu vas aller le déposer à la planque. Comme ça, ce sera fait. Toc. On aura un petit peu de papier pour un futur casse parce que une fois qu'on aura terminé ce coup, je pense qu'on va pouvoir réenvoyer Squashy faire un petit casse. Et en attendant, on va recruter cette personne qui est justement là. Parfait. Alors, toc, on embauche quelqu'un, ta nièce Edna, elle est parfaite ta nièce Edna. C'est parti pour la nièce Edna. Et la nièce Edna, on va la mettre ici. Edna Collins. En avant.
Ah, elle nous donne un emplacement de plus, ça c'est cool. Améliorer la production, oui, ça c'est pas ouf, ça c'est pas ouf. Sept personnes, mais je peux que 3. Comment ça, je peux que 3? Je n'ai point saisi ce que tu voulais douir. Il y a une quête ici, on va essayer de devenir un peu plus pote avec eux. Ah, oui, d'accord. Ouais, j'ai regardé un petit peu en fait. Là, là, c'est celles qui ont diligence qui sont sélectionnées. Et en fait, il y en a pas mal qui sont organisationnels diligents avec maladresse, c'est pas ouf. Il y en a une qui est forte, qui sera probablement celle qu'on prend. Et remarque, j'ai pas regardé les intelligents. Si on prend les intelligents, est-ce qu'il y a des gens intelligents de disponibles? Il y a toi, curieux et intelligent, ouais, bon, c'est pas ouf. Et avec organisation. Donc il y a ceux-là. Ok, il n'y a que ceux-là. Donc ça sera organisé et diligent. Du coup, toi tu veux quoi? Ah, des bijoux. Non, pour l'instant non. Pour l'instant non. Par curiosité, l'absinthe t'en prendrait comment? 134 caisses. Ah ouais, on va pouvoir se faire plaise. On va pouvoir se faire méga plaise au prochain tour. Et bon, on va le passer le prochain tour. Alors, c'est parti, on rachète le bâtiment. Est-ce qu'on a un nouveau bâtiment? L'un de vos établissements a été forcé de fermer. Voilà, c'est ce que je craignais. Ouais, et du coup il n'y a plus rien dedans. La tristesse. Oh la vache, la tristesse. Je le sentais venir, je le sentais venir, hein. Gros comme une maison. Bon, c'est pas hyper grave. C'est pas hyper grave. On a quand même, on n'avait pas non plus une fortune dedans. Mais heureusement qu'on n'a pas lancé la production. Hein. Ça fait quand même un peu chier, on va pas se mentir. Du coup, je pense que Moon, en guise de pénitence, tu vas t'occuper de relancer ce truc-là. Du coup, on reprend. On veut faire une fabrique d'absinthe. Il nous fallait des briques, des tuyaux, plein de trucs, voilà. En plus des barils, il n'y en a plus. Du sel ou du poivre? Bah écoute, là, je m'y attendais. Donc bon, on va pas se mentir, ça fait chier, mais je l'ai vu venir, quoi. C'est pas non plus... Alors, il va nous falloir des briques. L'avantage, c'est que lui, maintenant, il s'est barré d'ici. Donc, on va pouvoir acheter des briques ici. Et cette fois, on va essayer d'en acheter que 4. 1, 2, 3, 4. Pendant qu'on y est, il n'y a pas de tuyaux, donc on s'en fout. Hop. Toi, tu vas passer chercher des sous. Squashy, elle a des sous sur elle. Ouais, elle a des sous sur elle, donc elle va pouvoir aller acheter... Plein de petits barriques, barils ici. On va commencer à poser la thune. Pendant qu'on y est. Quoique non, je vais avoir besoin d'acheter d'autres trucs, donc non, pas tout de suite. Ici, du vin contrefait, pourquoi pas. On n'a rien à perdre. On va acheter des barils par contre. Il n'en reste plus beaucoup, c'est le problème. Ça, ça risque d'être un peu chiant, il va falloir qu'on trouve d'autres barils. Hop. Un peu de beurre de micelle, Kenton, oui. Ouais, c'est un petit peu la thématique, ouais. Je pense. Je pense qu'on peut dire ça. Alors, des barils. Des barils en acier, il y en avait là, il y en avait là, ça va, il y en a encore quand même pas mal. Toi, tu vas aller ici, voir combien on en a de disponibles. Les bijoux, non. Pour l'instant, non. On veut des barils. On va faire un petit prix sur les barils. 18, très bien. Donc là on en a 18 plus 3, 21. Il nous en faut 4. Et il y en a là de disponibles. Putain,
Hashtag la tristesse. Bon, bah, on va pousser jusqu'ici pour acheter le dernier qui nous manque. Eh, je le sentais tellement l'arnaque là. Je la sentais, mais gros comme une maison. Bon, Flo. Flo, t'es tout là-bas. Alors là, il y a de nouveau une quête, c'est quoi? De nouveau les bijoux, donc de nouveau non. Tu vas nous trouver des tuyaux, Flo. C'est ça, hein. L'absinthe. 5 tuyaux, c'est ça. Des petits tuyaux. Il y en a là. Je pense qu'on a moyen d'en trouver 5 ici. Go. Non, j'en ai plus dans l'entrepôt parce qu'il m'en restait 2, je crois, un truc du genre. Et du coup, je les ai pris pour aller les poser là-bas. Donc non, je n'avais plus dans mon entrepôt. Malheureusement. Donc, on pose les tuyaux, on va poser toute la thune. Et Moon, bah, j'ai envie de dire que vu que ta bagnole est vide, on va te l'enlever, on va te filer le petit camion de livraison et tu vas t'occuper de faire ce trajet-là. Hein. Et puis voilà. Il va falloir qu'on fasse un trajet pour de l'absinthe. 25 plantes, 10 blés, 60 bouteilles. C'est parti. On va appeler ça absinthe. Absinthe. Fais rentrer. C'est parti. Tu vas acheter de la plante. Des plantes. Je les ai vu passer. Des plantes. Là-bas, non. Ici. Tu vas en acheter jusqu'à 25. 26. Et puisque c'est en face, tu vas les déposer dans la foulée. Toc. Voilà. Ensuite, tu vas acheter... C'était du blé, je crois. Ah bah, tu peux acheter du blé ici aussi. Bah, achète-en. Jusqu'à 10. Et puis, bah, du coup, tu les déposes. Toc. Tout le blé. Et après, les bouteilles. Les bouteilles, hein, ça reste... Le petit truc qui nous embête, tu vas aller en acheter ici, là-bas, ici et là, ouais, ici et là. Sachant que la dernière fois on n'a pas réussi à en acheter, tu vas plutôt aller en acheter là. Il en faut 60, donc tu vas en acheter jusqu'à 60. Ensuite, tu vas aller en acheter ici jusqu'à 60. Et puis après, tu iras les déposer ici, toutes les bouteilles. Ensuite, tu vas récupérer dans la remise l'absinthe, tout. Et tu vas les vendre. Vendre de l'absinthe. Alors là-bas, j'aimerais bien. Ici, pourquoi pas. Ici. Tout ce que tu peux. Et après, là-bas, tout ce que tu peux. Et après, t'iras déposer ici tout l'argent possible. Voilà. Alors, il y a peut-être un petit truc à arranger là. T'achètes du blé et des plantes. On va voir combien de place ça prend, le blé et les plantes, mais je pense qu'on va être pas mal. Et il faut qu'on te prenne, ma chère Moon, un petit capital de départ. Donc, tu vas venir ici. Et tu vas prendre 200 balles. D'ailleurs, je me suis planté sur la livraison, là, la thune. Tu déposes tout sauf 200 balles. Voilà. Hop. Moon. En avant. Tu vas faire de l'absinthe plutôt que du moon, mais c'est pas grave. Ouais, non, tout déposer, c'était une erreur. À droite, c'est le désert. Bah, à droite, ouais, c'était là où il y avait l'ennemi. Donc, du coup, j'ai pas encore repris le terrain, mais on va y aller, je pense. Petit à petit. On a des faveurs, là. On va commencer à pouvoir s'agrandir par ici.
probablement là. Là, on pourrait s'agrandir ici et par là. C'est un peu naze. C'est pas ouf. Peut-être plutôt ici. Comme ça, on pourra s'agrandir là aussi. Ouais, plutôt là. Plutôt là, plutôt là. Donc là, on a bientôt quasiment tout ce qu'il faut. Il nous reste les barils à ramener. On va passer le tour. Oula. Ah, elle a acheté 20 plantes et ça coûte 200 balles. Ok, il va falloir qu'on lui mette un petit peu plus de pécule, on dirait. Très très bien. Ça coûte cher. Alors par contre, il va falloir qu'on négocie les prix aussi. Donc là, on dépose tout ça. On dépose la thune. On va aller ici. On va lui faire coucou. T'as des idées avec les clés de camion? Non, ça ira. Par contre, j'aimerais bien qu'on parle du prix des plantes. Voilà, le prix des plantes c'est fait. Et donc Moon, il te reste des points de déplacement? Non. Alors on va se calmer et on va te changer ça pour garder 400 balles. Et on va te redéplacer, on va te redonner des sous tout simplement. Tu iras chercher un petit peu de sous. Ensuite, là il faut qu'on aille chercher de l'argent. Allons-y. Et Squashy, t'as ce qui nous manque, donc tu vas là. Ah bah ça reste la logique. Oh bah on a ce qu'il faut là. Ça reste la logique, donc ne sois pas choqué, Kenton. Allez, c'est parti. Ça va prendre 8 tours. Et on est go. On va pouvoir recruter un responsable également. Bon, on recrutera quand ça sera construit, tant qu'à faire. Et du coup, on va s'agrandir par là. Notre objectif, ça va être de s'agrandir par là. On a une faveur ici aussi, d'ailleurs, qui nous permettrait éventuellement de faire des choses. Mais avant, il faut qu'on termine nos extensions actuelles. Tout simplement. Du coup, Flo, t'as plus de sous, tu vas aller récupérer un peu de sous pour te réparer. Squashy. Squashy, t'as des sous, toi. Mais bon, pas grand chose a priori à faire. On pourra aller explorer, mais ça m'embête avec Squashy. Ah bah, on va s'occuper du 20, tiens. Ce sera fait. On passe le tour. Ok. Une nouvelle année. On a toujours trois objectifs, j'ai mis que ça va être les mêmes. On est premier, on a 32 faveurs sur 15, on a un réseau ferroviaire. On est troisième en termes de valeur totale d'alcool produit. Ça devrait changer doucement. Et on est sixième sur la distribution. Et ça, on devrait pouvoir l'avoir bientôt aussi. On a éliminé 21% de la concurrence, 35% dividende de la paix. On a trois organisations qui nous en veulent. D'accord. Ah, mais par contre, ça, c'est jamais, donc ça veut dire que c'est mort. À partir du moment où on l'a fait une fois, c'est mort, quoi. On vaut quand même 105 000 balles, hein. C'est pas mal, hein. C'est le début de la phase législative, mais on n'a pas d'influence. Qu'est-ce qui a été interrompu? En raison d'un manque d'espace ici. C'est pas très grave, ça va se vider. Ok, là il a acheté un fruit à coque, c'est la dèche. On a de l'avance donc c'est pas grave, mais c'est quand même la dèche. Hein. Alors, Squashy. Squashy, t'es en 2, voilà, tu vas prendre la petite bouteille de vin, hop, et tu vas monter la donnée jusqu'ici, et dans la foulée, on va lancer une petite
Un petit commerce de façade, je pense. Hop. Le vin. Toc. Ah mince, on a un agrandissement en cours. Zut. Tant pis. On va peut-être aller voir ce que nous propose cette personne là. Comment se passe la production d'absinthe? Ça c'est bien ça. Un hôtel pour vendre un peu d'absinthe ici aussi éventuellement. Alors Flo, toi t'étais allé récupérer un peu d'argent tout simplement pour te réparer. On va prendre 300 balles et après tu vas faire un tour ici. Toc. Toc. Encore. Je veux bien que tu me répares, s'il te plaît. Voilà. Et après, tu vas faire ton boulot d'explorateur. C'est parti. Alors. Le cygne aussi, faut qu'il prenne un petit pécule. Hop. Non, c'est pas ça, c'est ici. On va se réparer. Voilà, très bien. C'est nickel. On va regarder un peu les quêtes. Bon, à la limite, on va le faire, ça. Comme ça, au moins, ça nous embêtera plus. Moon, ma chère Moon. Toi aussi, il te faut des sous. Non, c'est ici qu'il faut que tu ailles. Ah là là, drame. Demi-tour. Tu prends 400 balles et t'es reparti. Une pierre précieuse. Hop. Après tout, on aime bien cette personne. On récupère l'échantillon, très bien. On le renvoie là. Et dès qu'on en aura d'autres à vendre, on saura qu'on peut en vendre là-bas. Le moonshine, comment ça se passe ? On a du blé, on a des bouteilles, on a du seigle, on est à 85% plein. On a du sirop de maïs. On a de la réserve pour un moment. Ok, ici, ça se passe comment? On a de la bière ici. Bah, du coup, le signe, tu vas prendre ce rôle-là vu que notre ami est parti de nouveau s'occuper ailleurs. Et Squashy, elle attend. Ça y est, on a notre coin de rue qui est prêt. Voilà. Tac, tac, tac. On va pouvoir refaire quelques trucs. Flo. Ok. On tira là après. Ah, il y a des... Il y a du potentiel d'évacuation de livraison ici. On va commencer à s'en rapprocher. Hop. Ah, il y a encore un agrandissement en cours. Bon sang. Ils sont partout. On va aller voir un peu la quête qu'on a ici. Si on peut avoir une petite faveur. Un stock de vin contrefait, oui. On peut tout à fait aller chercher un petit bout de vin contrefait. Pour se permettre de s'agrandir. Bon, après, s'agrandir, c'est complètement nul ici. Hein. C'est juste à côté de ça, si ça nous pourrait nous permettre d'avoir ça dans le dans notre escarcelle, c'est pas si mal. C'est pas si mal, pas ouf mais pas si mal. Ici, on file la bière. Là, on a ce qu'il faut pour en refaire. Ouais, largement.
ici, il faudra qu'on récupère un petit peu de blé, peut-être qu'on en mette un peu là, il y a besoin de blé, non? On a besoin d'un peu de blé, ouais. On va aller vider le stock de blé ici dans le truc d'absinthe. Tant bien que mal, on va dire. Mais bon, ça reste moins loin que l'entrepôt, donc autant pas s'embêter. Tac. Comment ça se passe la maison de jeu? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de gens avec des dettes. Ça va. Ça va, ça va. Ok, on passe le tour. Ouh, il se passe plein de choses. Ça y est, un nouveau coin de rue est à nous. L'organisation Sorokin souhaite nous parler de quelque chose. Tiens donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ils veulent qu'on se retrouve là. Ok, admettons. Admettons, admettons. On vend de la Maréto dans notre speakeasy là? Ouais, on vend de la Maréto, on vend du gin, on vend du moonshine, parfait. Parfait, parfait. Ici, on vide. Attends, on vide pas quoi. Dommage. Hop. Hop, voilà. C'est un bel espace, hein. 71 mètres carrés, ça fait plaisir. On va vider ce qui reste là, comme ça ce sera fait. Voilà. Là c'est juste 35 mètres cubes, c'est pas la même. Voilà, comme ça ici on est bien. Il y a de la thune ici, on récupère. Squashy, est-ce que maintenant tu peux t'occuper de ça? Ah, t'étais parti chercher le vin contrefait. Seconde, seconde. Récupère la bouteille. Hop, voilà, récupère la bouteille. Et après, passe par ici. Et vroom vroom. Ça y est, on peut s'étendre. 830, mince, on n'a pas assez. On a que 600, dommage. Bah tant pis, on va aller rechercher de quoi financer tout ça. Ça c'est ballot. Alors Flo, t'es en 3 de nouveau toi. Ici on explore. Il y a des trucs à gérer. Je pense que ce serait le bon endroit où mettre une maison de jeu par contre ici. Parce que si on peut avoir des dettes du style récupérer des bâtiments dans ce district, à mon avis il y a de quoi faire. Il y a clairement de quoi faire. Donc peut-être avoir une petite faveur, faire un commerce de façade, toper une maison de jeu. Bon, il y a quand même 3 districts. Là on va récupérer ce district là. Ouais, ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une bonne idée, je pense. Ici, on n'a rien de plus à faire. Vu la vitesse que tu prends à faire ton tour, toi, ce qu'on va surtout faire, c'est que on va te faire en prendre beaucoup moins. Tu vas en prendre genre 10. Ce sera largement assez. 10 par 10, tu les déposes et puis voilà. Surtout qu'on va améliorer ça dès qu'on pourra. Je trouve que c'est une bonne idée cette maison de jeu. Bah écoute, on va essayer de choper. On avait la personne avec une faveur ici. Il y a celle-là aussi, peut-être encore mieux parce que c'est peut-être un peu trop proche de celui-là. Bon, après on peut se débarrasser d'elle. Hein. Ça me choquera pas. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas tué des gens. Faut quand même pas qu'on maigrisse trop. Squashy elle s'occupe de ça, nous du coup avec le signe noir on pourrait aller chercher peut-être d'autres bâtiments hein.
La tournée va être XXL, c'est sûr que là, aller chercher le commerce de façade tout là-bas. Après, on n'est pas obligé d'aller chercher, hein. On peut le laisser s'accumuler puis y passer de temps en temps. Je vais essayer de trouver un bâtiment un peu grand. Voir ce bâtiment-là, là, par ici. Je crois qu'il y en avait un qui nous proposait un truc assez massif. Tu pourrais aller là d'ailleurs plutôt. Parce que il vaut toujours mieux s'agrandir à partir des commerces de façade. Mais c'était pas Moon qui devait s'occuper de ça d'ailleurs, je crois. Si, elle est aimable, Moon. Faudrait qu'elle s'occupe de ça, Moon. Bah tu sais quoi, Moon? Vu que tu es globalement... T'as ce qu'il faut là, tu vas plutôt aller par ici. Et le signe en fait, maintenant, ça serait presque bien que tu prennes le petit camion et que tu t'occupes de l'absinthe, en vrai. On va aller voir s'il n'y a pas quelques bouteilles ici à récupérer. Ouais, il y a des bouteilles, bon, il y en a 4. C'est déjà pas mal. Vraiment intéressant, il y a un peu de sirop de malt, mais bon, c'est pas grave. Alors, toi. Ouais, on va t'enlever en fait ce truc là. On va te remettre peut-être pas un camion de livraison. Ouais. On va te mettre la berline. Et tu vas récupérer un pécule. De quoi te défendre aussi, ce serait bien. Voilà. T'es en deux. Et alors, il voulait nous parler, tiens. On va peut-être aller faire un petit tour aussi là-bas. Peut-être un travail pour le signe noir, ça. Là, on va déposer nos bouteilles et on va aller voir ce qu'ils nous veulent les cocos. Squashy, t'étais venu chercher de l'argent aussi, t'es où? Non, t'étais au bon endroit. Attends, c'est moi qui misclique. 6000 balles c'est peut-être pas nécessaire, 3000 ça suffira. Allez, tu retournes là. Après, tu vas filer ton vin contrefait là et on va faire un commerce de façade là aussi, si on peut. Toc. En avant, un coin de plus. Ensuite, tu vas, on a dit, ici. Flo, découvre un petit café. Ça aussi, on a un succès pour... pour les trucs de syndicat, pour avoir un truc de syndicat dans notre juridiction. Moon, t'es arrivé? Putain, t'es où Moon? T'es en deux Moon, ok, très bien. C'est quoi que t'as là? Les bijoux, c'est non. Par contre... A tout à l'heure Falseg, quand tu reviendras, on aura peut-être la maison de jeu disponible. Alors, il y a un commerce, un tobacconiste. Oh, c'est un tout petit truc. Non. Oh la vache, 21 000. Avec le bonus, quoi. Waouh. Alors, toi, du coup, tu proposes quoi? Ah oui. Bah, du coup, on va t'extorquer vu que tu veux pas nous vendre un bâtiment. Ça t'apprendra. Et toi aussi du coup. T'es pas contente? On détruit ta propriété. Non mais oh! Alors là, il y a des trucs qu'on n'a pas découverts, mais bon, ça me paraît pas très grave. On veut encore prendre des commerces de façade, donc on va pas relancer de construction tout de suite. Par contre là, est-ce que ça vaut la peine? 21 000 balles pour un tout petit bâtiment à la con. C'est un peu emmerdant quand même, hein. Est-ce qu'on a un truc pour voir les bâtiments disponibles?
Non. Là peut-être, bâtiment sous contrôle. Non. Donc il faut qu'on jette un œil. Là, peut-être que lui voudra bien. Ouais, c'est un commerce de façade ça. Non, c'est pas ça. La faveur. Qu'est-ce que tu nous proposes comme bâtiment? Ah oui, c'était le magasin de meubles. C'est pas mal. Un peu plus gros. Mais il produit des meubles. Et il veut 24 000 balles pour ça. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des plantes dans le coin? Non. Ouais, si, par là. Pourquoi pas. On pourrait refaire de l'absinthe ici, aller chercher des plantes. Bah ouais, encore des meubles, mais bon, c'est un peu plus gros. Après, on est d'accord, ça va se remplir avec des meubles. Mais soit on a des petits bâtiments qui produisent rien, soit on a un bâtiment un peu plus gros qui produit des meubles. Alors bon, on est d'accord que c'est pas ouf, hein, mais... Mais bon, ça reste mieux que rien, non? Je sais pas. J'avoue que j'hésite un peu. J'hésite un peu. Alors squashy. Hop. On se fait un petit coin ici. Et on va aller voir dans le coin là. On a des faveurs, non? On n'avait pas des faveurs? Ah, c'est ici qu'on a des faveurs. 14, c'est pas suffisant. Et là, c'est pas suffisant non plus. Mais on pourrait faire une petite quête éventuellement là. On va aller voir si ça se gérerait à tout hasard. Ok, lui on l'a aidé à créer son club civique, donc il voudrait 60 dynamateurs. Pourquoi pas. On va monter sa relation et on va essayer de... Ah, on pourrait le faire. Je crois qu'il fallait 20. Ah, go. Go, du coup. Pas besoin de s'emmerder. Ici. On va prendre ça, c'est parfait. Donc là pour l'instant il n'y a rien pour faire la thune, mais on va s'étendre par là. Donc là du coup, on est pas mal. On est pas mal. Si on voulait une maison de jeu. Besoin de gagner plus de faveurs, ok. Donc on va faire sa quête du coup. Raison de plus pour faire sa quête. Allez Squashy, tu vas chercher du jean. On est 99 ici. Avec un peu de bol, elle va arriver avant que la livraison ne la récupère. Ici, Moon. C'est plus du tout rentable de prendre ces bâtiments, quoi. C'est un truc de fou. 21 000 balles le bâtiment. On coule sous la thune. C'est pas la question. Mais 21 000 balles le bâtiment, quoi. Merde. Qu'est-ce qu'ils en foutent de cette thune ? Ça va pas du tout. Ici, on va discuter avec elle. Qu'est-ce qu'il voulait? Pareil que vous vouliez me voir. Un grand service. Ils sont engagés dans un conflit avec l'organisation Mariani. Ben, on s'en est pas débarrassé de l'organisation Mariani? C'est une autre? On prend, hein. Mais il y a peut-être une autre organisation Mariani qu'on ne connaît pas. Mais bon, s'ils veulent un coup de main, on prend. Du coup, pendant qu'on est là, on va lancer l'agrandissement. Hop. Et on va aller s'occuper de améliorer les choses ensemble. D'ailleurs, toi aussi, la dernière fois, on n'avait pas terminé notre discussion. D'accord, on te fait pas peur. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien.
pendant que t'es là, toi. C'est pas ça, c'est ça. On est parti pour agrandir le territoire. Moon, tu vas passer par ici, faire un petit agrandissement de territoire également. Et peut-être un petit peu d'extorsion à droite à gauche. Les bijoux, c'est non. Hop, on prend l'enveloppe à la place de Falsec, discrètement, il a rien vu. Tac, et on s'agrandit par là. Et ici, on devrait améliorer les choses ensemble. On détruit sa propriété. Hop. On est méchant, tout de suite les grands mots. On travaille pour le bien de la communauté. C'est important d'en avoir conscience. Ah oui, la communauté du gang noir, exactement. Ici, on va lancer l'avancement ici, et je pense qu'il va falloir qu'on deal avec cette personne, parce qu'à mon avis, elle va pas apprécier qu'on se soit mis juste à côté. C'est parti. On va commencer à s'agrandir par là. Tu serais partante pour agrandir ton commerce. Qu'est-ce que tu nous proposes? 26 000 balles. Ouais. Je suis pas sûr en final que le malus de... Enfin que le bonus d'aimable marche vraiment. On en est où aussi dans notre truc d'absinthe là? Il est construit, non? Non, il n'est pas construit encore. Ouais, il n'est pas construit. On n'a pas de nouveau coup possible, malheureusement. On va pas dépenser 26 000 balles pour des bâtiments alors qu'on peut en avoir gratos en reconnaissance de dette ou sur des trucs du genre quoi. C'est pas possible! On peut pas faire ça. Si on voulait s'agrandir, il nous faudrait le livre de recettes. Le livre de recettes, on peut l'avoir. Hein. Je suis quasiment sûr qu'on peut l'avoir. Toi, tu nous la prends. Ok. Toi, tu nous la prends. Ok, donc on va aller chercher ça. Peut-être avec le signe. Un peu de véhicules à mocher, ok. On achète 0 pot engrais encore, hein. Qu'est-ce qui se passe? On est plein, non, on a 36 pot engrais, on achète un petit peu quand même. L'amaretto, ça donne quoi? Parce que c'est pareil, c'est compliqué, c'est 89% plein. Squashy, elle a pas été suffisamment rapide pour rentrer là. Malheureusement. C'est un peu juste ici là. Comment ça se fait qu'on a plus de petites bouteilles? Eleanor, qu'est-ce que tu fais? T'as du moonshine et des bouteilles sur toi. Ça n'aide sans doute pas. Dépose ça. Dépose ça. Squashy le récupérera en passage. On va pouvoir commencer à chercher la recrue qui va bien là. Alors toi du coup, t'es rendu où? T'es rendu ici, oui, t'es allé chercher la bière. Parce que on va pouvoir la mettre ici. Voilà, mais faut absolument qu'on arrête l'épisode de VOD, il est beaucoup trop long cet épisode de VOD. Je vous laisse un petit instant dans le chat pour dire au revoir si vous le souhaitez. Et je bois mon petit coup de fin de VOD. Merci à tous de nous avoir suivis et à plus pour la suite.